Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un nouveau jour. Nous allons faire la plus grande friperie d'Europe. Il y a quelques années, ma tante Tata Néné, elle a commencé à travailler dans une usine de textile. Donc c'est une usine où ils trient tous les vêtements qui vont repartir soit dans des associations ou soit dans des boutiques de friperie. Deux fois par mois, ils organisent une grande vente de vêtements au kilo. Donc c'est 6 euros le kilo, je crois. Et du coup, bah presque tous les ans, j'allais faire mon petit réassort de vêtements là-bas. Et depuis quelques années, j'y vais plus parce qu'elle a arrêté de travailler là-bas il y a 2 ans ou 3 ans. Et en plus de ça, bah j'avais pas le calendrier. Donc par exemple, là nous sommes vendredi, donc c'est aujourd'hui. Donc vendredi et samedi. Et le mois prochain, c'est vendredi, samedi, donc tout dépend des dates, mais c'est 2 fois par mois. Et en fait, comme ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée, là je me suis dit, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai mis quoi, un petit billet de 30 euros, je me suis dit, je vais aller voir ce que je peux prendre là-bas. En plus, comme il y a l'hiver, j'ai plus de pull, j'ai plus de leggings, j'ai plus de collants, tout ça, parce que j'avais fait un gros tri cet été, j'ai mis plein de mes affaires d'hiver à la poubelle parce que je me disais, j'en avais pas besoin et tout. Et là maintenant, en fait, le froid a recommencé à venir et j'ai pas beaucoup de vêtements. Et sans plus tarder, je mets mes chaussures et après on y va. À tout de suite. Par contre les amis, avant de sortir, il faut que je prenne mon petit booster d'énergie de la journée. Pour ceux qui n'ont pas vu ma morning routine, c'est un petit booster que je prends tous les matins. Mais vraiment, quand je vous dis tous les matins, c'est tous les matins. Et les bouteilles comme ça, elles me durent en général 2 semaines. Donc je prends un petit verre, un petit shooter comme ça, tac. Et du coup, pendant 2 semaines, je peux boire un shooter comme ça tous les matins. Incroyable. Quand tu le prends, t'as un truc qui se passe dans ton corps. Il y a un truc assez magique qui se passe dans ton corps. Mais je vais prendre des vitamines C, tiens. Parce que je me sentais un peu fébrile récemment. Et je me suis dit, peut-être que c'est parce que j'ai peut-être échappé à une grippe. J'ai eu des boutons de fièvre, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Et du coup, pour éviter ça, prendre de la vitamine C pour être en forme toute la journée. Bon les amis, nous sommes enfin arrivés. Solidarité textile, j'ai hâte de trouver des pépites. Franchement, j'ai hâte d'avoir des articles qui sont incroyables et tout. Bonjour, j'ai ça. Ce gros sac là. D'accord. Et la jupe, c'est au cas où. Je vais voir si ça dépasse mon budget. D'accord. Si ça dépasse mon budget. Alors là, on est à 16,35 €. Ok. Et là, avec la jupe. Bonjour, madame. 19,26 €. C'est bon. J'ai enfin fini ma petite friperie. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce qu'en fait, j'étais surprise. Les autres années où je venais, il y avait pas trop de monde et tout. Et là, je suis arrivée, il y avait plein de monde. Donc là, j'ai pris un bon petit sac. Pour 20 €. Il y a un chat qui me suit. Oh, oh. 12 seconds later. Je suis contente de mes petits trouvailles. J'espère qu'elles vont être bien. J'ai pas trop pris des trucs d'hiver. J'ai juste pris des trucs où je vais me sentir à l'aise. Donc je mettrai des collants et tout s'il fait trop froid. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure à la maison. Les copains, je suis enfin rentrée à la maison avec mon petit sac. Tadam ! J'ai plein de vêtements. J'en ai eu pour 19 € et des bananes, je crois 19,28 € ou 19,24 €, je sais plus quoi. J'avais peur au début parce que j'avais pas un budget très très énorme. Moi, j'ai vraiment pris des trucs qui, je pense, vont être rentables, vont être bien. Genre, je vais bien pouvoir les accessoiriser et tout. J'ai pris plein de jupes. Je sais pas si elles vont être bien ou si elles vont être incroyables. En tout cas, j'ai pris plein de longues jupes comme ça parce que j'en avais pas du tout. Elle, c'est vraiment mon coup de cœur, donc j'espère que je l'ai pas acheté pour rien, quoi. J'ai pris plein de jupes longues comme ça. Après j'ai pris des pulls. Du coup j'ai pris ça. J'ai pris ça. Donc voilà tous les vêtements que j'ai pris. On va essayer tout ça ensemble. On va commencer par des trucs comme ça. Oh incroyable. Elle est pas mal la petite jupe là. Genre comme ça, toute basique. Je la mets avec un petit collant. Et en plus elle remonte pas, j'ai l'impression. Ouais non. Je sens pas qu'elle remonte. Je vais mettre avec une petite ceinture. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai la taille qui est un peu fine là, donc là une petite ceinture.
même comme ça t'as pas forcément besoin. Donc je sais pas si vous pouvez voir comme ça, je regarde là-bas parce qu'il y a mon miroir. Donc comme ça j'aime beaucoup. Franchement j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment pas mal pour le coup. Elle me fait vraiment une belle taille. Avant même de mettre la ceinture, elle est vraiment, comment on allait dire, collée à ma peau. Donc au niveau du legging, rien de bien fou, mais c'est tout ce que je voulais. Un petit legging confortable comme ça que tu peux caler. Comme ça, genre là, je sais pas si vous voyez ma petite culotte ou si c'est transparent. Attendez, je me rapproche un peu de la lumière, j'ai mis une culotte. Ouais bah non, ça se voit pas. J'ai mis une culotte foncée et... ça se voit pas, tu cales ça avec un pull et tout. Et franchement, pas mal. Genre tu mets ça comme ça, simple, avec des baskets. T'as pas besoin de mettre grand chose sur toi et t'es à l'aise quoi. Ils remontent bien, je pensais que ça allait être un peu taille basse genre comme ça. Mais ils remontent bien en mode taille haute. Il me sert bien la taille. Quand je me tourne comme ça, il est bien. Quand je fais ça, il descend pas trop. Ouais, pas mal. Et franchement, il me fallait ça dans ma garde-robe parce que je n'en avais vraiment plus. Les gars, regardez comment elle est incroyable. Et je vous jure que si je l'avais pas pris, j'allais vraiment regretter. Et j'étais en train de me dire, ouais, non, la prends pas et tout. Elle est incroyablement belle. Avec ça, là, comme ça, c'est wow, pas mal. Genre, si j'étais un peu plus fine, on voyait mon nombril. J'aime beaucoup trop. Attendez, j'essaie avec une paire d'escarpins. Ne vous inquiétez pas les amis, j'ai bien compris que ma chaussette était trouée. Donc si vous voyez le petit trou, n'hésitez pas à swipe up, regarder ailleurs. Parce qu'en fait j'ai bien compris que ma chaussette était trouée. Comme ça. Tac. Regardez. Elle est splendide. Oh seigneur. Je savais pas que les jupes comme ça, elles avaient ce petit charisme là. Genre là j'aurais plein de petites longues jupes et tout. Quand tu veux pas trop t'habiller mais que tu veux être chic. Et ouais. Ouais. Avec une petite paire d'escarpins, ça passe. Avec une petite paire de cuissards ou une petite paire de bottes, ça passe aussi. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites si vous aimez bien mes articles, mais là je les aime trop. Je pense que vous allez vous poser la question de si j'ai lavé ces vêtements. Je les ai pas encore lavés comme je rentre de la friperie avec vous. Je les ai pas lavés, mais vous inquiétez pas, je vais les laver. Je vais pas les porter, les mettre dans ma garde-robe. Ma mère elle aime pas ça. Elle m'a toujours dit qu'on fait pas ça. Alors là, et quand je vous dis. Kiff total. Ça c'est ma petite robe jupe favorite. Je sais pas si tout à l'heure vous avez entendu quand j'étais à la caisse. En fait c'était cette jupe là. Elle est juste magnifique. Genre j'ai eu juste un peu du mal à la rentrer parce que là elle est très très serrée là là. Du coup c'est pour ça que ça me sert un petit peu. Mais regardez, en mode chaqué là. Même là j'aime trop. Attendez, je mets mes chaussons. J'ai un petit trou dans la chaussette, ça me stresse. Mais sinon ça va, j'aime bien le pull, il est assez près du corps, il est bien. En fait peut-être pas les deux ensemble, les articles sont beaux mais peut-être pas les deux ensemble. Peut-être si le haut, la jupe je la mets avec un autre haut qui met un peu plus en valeur. Le pull si je le mets avec un jean ou un... même le legging il aurait pu passer avec. Parce qu'en fait les deux je trouve ils matchent pas trop ensemble. Mais sinon la jupe je l'aime trop genre. Bon là les gars, j'ai vraiment un petit kiff pour cette jupe, genre vraiment. Et le petit haut là, lui j'ai eu un vrai coup de cœur pour les petites épaulettes là, je sais pas si vous aimez bien. Mais j'aime bien. J'aime bien la tenue. Attendez, je mets un peu ma ceinture. Je pense que la ceinture, ça va être un peu à bannir. Elle va... ou quoi? Ou pas? Ouais, ça passe un petit peu. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez comme ça. Mais d'ailleurs, je trouvais que ça fait un peu bizarre. Mais là, sinon, au final, ouais, pas mal. Ça fait élégant, ça fait classe, ça fait simple. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des tenues. Peut-être vous allez me dire, mais ça fait... ça te vieillit un peu. Mais moi, je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit truc dans la tenue. Il y a une petite recherche. Voilà. Genre, vraiment, j'aime bien. Ça fait beau. Ça fait tout choupi. Donc, voilà. On essaye la dernière tenue. Il reste deux hauts et une jupe. Et les gars, quand je vous dis, j'ai pris des tenues, mais des jupes, t'as peur. En fait, c'est des jupes qui me mettent que en valeur. Genre là, le petit modèle, en plus, elle est bien élastique, comme j'aime. Genre, t'es vraiment à l'aise. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'aime beaucoup. Avec ce petit col roulé, vous allez peut-être vous dire qu'il ressemble à celui de tout à l'heure, mais en fait, c'est à peu près le même modèle, mais là, c'est un col roulé, c'est pas comme, comme l'autre qui était un col O ou V ou H, je sais pas comment on appelle ça, mais là, c'est un petit col roulé qui est assez sympa, je trouve qu'il est très élégant, en fait, la tenue en elle-même, elle est très élégante, genre. Donc là, les gars, nous sommes sur le dernier petit gilet, mais le truc, c'est que je sais pas si vous voyez quand je me rapproche, ça se voit pas comme ça, je crache ma poitrine, mais on dirait qu'il est transparent. Il est mignon, mais je le trouve assez transparent. Après, je pense que j'ai pris une taille un peu trop grande pour moi. Je crois que j'ai pris du M, que genre on sent qu'il y a du tissu encore qui dépasse, quoi. Il est pas mal, il est vraiment beau, mais ça aurait été du S. Genre, j'aurais apprécié qu'il soit un peu plus, vous voyez, un peu fermé comme ça, là. Et peut-être... waouh. En fait, on peut en décolleter comme ça fait pas mal. Avec un bon petit jean. Dans la vie de tous les jours, je trouve que... ou pas, parce qu'en fait, là, quand je vois ça comme ça, ça peut donner quelque chose, ça peut faire un truc, j'aime beaucoup, j'aime bien même,
J'aime bien. Les amis, nous sommes sur une fin de vidéo. J'espère que toutes mes tenues vous ont plu. C'est une vidéo assez courte, donc c'est pas une vidéo où je faisais grand chose. C'est vraiment plus pour vous présenter, bah, justement, solidarité textile. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on peut payer les vêtements au kilo, comme je vous ai dit en début de la vidéo, et comme j'ai pu vous répéter tout au long de la vidéo. Et en cette période des fêtes, ça serait vraiment intéressant de pouvoir se vêtir et pouvoir avoir des habits pour un prix abordable. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer un peu de temps avec moi aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette petite entreprise et qui j'espère pourrait aider plus d'un. Donc pour toutes les personnes qui sont à Rouen, les prochaines dates c'est en décembre et n'hésitez pas à y aller. Ma tante elle a travaillé là-bas, donc si vous allez faire un petit geste à cette entreprise, ça va me faire plaisir puisque ma tante elle avait travaillé là-bas. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui travaillent dans le textile, merci à toutes les personnes qui nous permettent de nous vêtir, parce que ce soit ceux qui créent le vêtement, ceux qui les lavent ou ceux qui les mettent en magasin, quoi que ce soit, bah ça nous aide, parce qu'en vrai sans ça on est tout nu. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai aimé passer ce moment avec vous. Vous faites plein de bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les copains. Hey, it's me.